Et salut les copinotes, c'est Sims Paradise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play des vampires avec Louis. J'ai fait un petit relooking au foyer, comme vous pouvez le voir dans la toute petite miniature de vidéo qui défile en vitesse rapide dans l'écran. J'ai relooké Romain qui avait un look de petite fille. Si vous vous souvenez bien la dernière fois quand on l'avait mis au lit, j'ai vu son pyjama rose, on aurait dit vraiment une petite princesse. Donc pas trop adapté à lui, hein. C'est bien, il est, mais il faudrait peut-être réfléchir un peu. Et du coup, j'en ai profité pour découvrir que c'était un vampire, puisque j'avais l'icône vampire dans le au-dessus des traits de caractère de Romain. Donc quand il sera adolescent, il aura des pouvoirs de vampire. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il aura une future forme sombre. Et au moins maintenant je sais pourquoi il paraît un petit peu plus pâle. Donc j'en ai profité aussi pour relooker Louis. Hein. Comme vous pouvez le voir, il a changé un petit peu de look. Enfin, et ça c'est déjà une de ses tenues, mais voilà. Et j'ai relooké Sonia également. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, on va continuer l'épisode. Hein, parce que de toute façon il y a Théo qui doit bientôt grandir également. Donc là déjà ce que je vais faire, c'est je vais supprimer ce petit berceau là parce qu'il ne sert à rien. Voilà, alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On est allé au Festival des Épices, on a traîné avec Caleb, on a traîné avec Léa aussi, d'ailleurs, je remercie la Easy Théa pour son commentaire où elle me met un défi, parce que j'avais demandé en commentaire si ce que vous vouliez que je fasse comme relation avec Léa. Et elle m'a dit que si je voulais que Louis se mette en couple avec, il fallait que je fasse en sorte que Léa soit amie avec Sonia et Kiwi, et qu'elle soit la meilleure amie de l'une des deux femmes, afin qu'elle ait l'approbation, enfin qu'en gros elle ait l'approbation des deux femmes, pour être juste pour être sa maîtresse, et également qu'elle soit amie avec enfin super ami avec les enfants. Donc autant dire que c'est un défi assez ardu, on verra bien si on le fait ou pas. Je sais pas encore, ça va dépendre déjà de comment ça se passe avec Léa, donc on va voir, hein. De toute façon j'ai rien à perdre à lui faire devenir ami avec Sonia et Kiwi, donc on verra ça. Sinon, donc aujourd'hui on va continuer à gagner des points, on va également continuer le jardinage, mais je crois qu'il n'y a rien à faire parce qu'il l'avait fait dans le dernier épisode, donc c'était il n'y a pas longtemps par rapport au chrono du jeu, hein. Parce que pour moi c'est quand même la semaine dernière. Et Sonia, toi, ce qui serait pas mal, c'est que tu prennes une douche. Donc Sonia pareil relookée, comme vous pouvez le voir, elle a changé de truc. Alors pourquoi tu ne peux pas aller à la douche déjà? D'ailleurs ça me fait rire, relookée, je l'avais laissée là avec une autre vampire et du coup elle a changé de tenue directement. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite action où on voit le Sims aller vers le placard pour aller changer de tenue. Ah, tu peux pas aller à la douche parce que Louis y est allé. Ok. Bon, bah du coup, Sonia, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller ici quand même. Tu bosses aujourd'hui ou pas, Sonia? Tu travailles dans 3 jours. Très très bien. Tes actions amicales, c'est terminé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir ici, déjà, pour commencer. Là. Hop. Ah, bah, il y a Théo qui pleure, donc ça tombe très bien. On va aller le nourrir, voilà. On va changer sa couche, on va l'apaiser, on va babiller, on va le bercer et on va le dodeliner. Ça laissera le temps à Louis de prendre sa douche tranquille. Alors Louis, il est triste, il est chiant. Mais Louis, ce serait bien qu'il arrête de courir à triple vitesse. Bon, Louis, il est parti pleurer dans le lit. Il s'occupe tout seul pour faire diminuer sa tristesse, c'est pas mal. Merci Louis. Du coup, Sonia, tu vas prendre une douche. Tu vas prendre une douche. J'allais dire tonifiante, mais non, tu peux pas courir encore dehors parce qu'il va faire jour. Donc ça sert à rien. Donc tu prends une douche tout court. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais te faire faire? Point de pouvoir 1. Ce serait pas mal que tu grimpes en pouvoir. T'as également bientôt faim. Les packs de plasma, j'en étais où là-dedans? Alors, faire se reproduire avec. Voilà. Comme ça, on peut en créer un. Impeccable. Louis, pareil, on va faire se reproduire, voilà, comme ça on peut créer un pack de plasma, ça c'est bien, et Kiwi, elle en a aussi, alors faire se reproduire avec, voilà, et du coup, on le passe à Sonia parce qu'elle en a moins, hein. Ça change pas, hop, et on crée un pack de plasma, impeccable. Ça, ça c'est fait. Après, Sonia, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nettoyer la chaise de bébé. Ah bah non, c'est Louis qui va le faire. Donc, ça va l'occuper, lui. Voilà, tu vas nettoyer ta chaise de bébé, Louis. Ton fils, il a foutu un peu le bordel. De toute façon, la chaise, elle va plus servir au gamin. On va le faire manger par terre, il fera pas chier. Puisque les bambins peuvent très bien manger comme ça. Et après, Louis, ce serait pas mal que tu petit déjeunes. Donc, j'espère qu'on va trouver...
qu'on va trouver des Sims qui sont potables niveau niveau miam miam. Alors, plus de choix. Donc là, on va pas se revoir comme la dernière fois. Ok, elle, on peut la boire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une présentation chaleureuse pour grimper le social, enfin le charisme de lui. Il est de nouveau triste. Mais c'est pas possible! T'es tout le temps triste, toi. Sonia, tu passes devant Louis. Tranquille. Allez, vas-y, passe en arrière la chaise. Gros bug graphique encore. Merci. Et après, Sonia, ce que tu feras, c'est que tu feras une sieste. Ça va te faire du bien. Louis, il est déjà arrivé là-bas. Ok. T'es où, Louis? T'es là. D'accord. Alors, tu te présentes... Non, c'est Sonia, alors. Tu t'es présenté, c'est très bien, tu vas illuminer sa journée. Tu vas demander comment s'est passée la journée. Faire connaissance, faire crac-crac. Non, mais tout de suite, discuter du travail. Faut que je change ce réglage dans le mode où on peut faire crac-crac avec n'importe qui. Hein. Ça va pour ça. Complimenter sincèrement, parler du meilleur appât. Discuter du travail. Donc, à mon avis, c'est une collègue. Comme c'est là... C'est une collègue. C'est d'habitude, on peut pas discuter du travail comme ça. Raconter une blague sur les pingouins. Donc là, il y a une autre Sims qui est passée. Hop, Sonia, du coup, après toi, tu vas... Ah là, la douche, mon Dieu. Bah, Sonia, tu vas la réparer. Tu vas la réparer maintenant. Il me semble que t'es doué toi en bricolage, hein. Je sais plus, mais non, niveau 2, ouais, il y a mieux. Il y a mieux. Après, du coup, tu vas faire une sieste, et ensuite, tu iras lire un livre sur les vampires. Donc, lire. Encyclopédie, volume 2, voilà. Pendant que lui, il est là, là. Donc Louis, toi, tu... Oh, coutume des vampires, t'es à fond. Ça veut dire que je peux plus gagner de points de pouvoir. Bah là, il y en a du monde, là, pour le petit-déj, c'est pas mal, ça. Alors, s'enthousiasmer à propos de la nature, promouvoir une cause. Conversation profonde. On va s'en faire une amie, hein. Ceci là du bon plasma, ça peut être utile. Hop, des vagues de politique de droite, ça va changer, d'habitude, je suis toujours à la gauche. Et après, on fera vampire, boire du plasma, demander l'autorisation. Alors, on la rallie à la cause. Ça, c'est bon. Bon, ça va, la relation amicale, elle est bien grimpée. Du coup, on lui demande l'autorisation de boire. Et apparemment, elle est d'accord. Merci, c'est gentil. Le bon petit déj. Après, Louis, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de tenue. Je vais t'en mettre une autre. Tac. T'en as combien de tenues quotidiennes? C'est quasiment la même, ça, en fait. J'aurais dû en faire une autre, tant pis. Mais au moins, il a plus sa tenue débraillée comme avant. Par contre, je vais garder sa houppette. Hein. Ça, c'est sa coiffure disco. Eh, pas trop, faut non plus abuser. Voilà, alors, le plasma, il était comment? Satisfaction sanglante, mais il n'était pas plus délicieux que ça. Ok, bon, ça, c'est pas grave, mais au moins, il est rassasié niveau pouvoir. Ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va quand même la flatter, on va discuter des techniques de danse, et après, on va rentrer à la maison. Parce qu'en plus, il y a le bambin, là, il va pas tarder à se réveiller, et puis il crève la dalle. Donc, ce que je vais faire, c'est que Louis, il va sortir... le petit déjeuner pour Romain. Donc, je vais faire compote de pommes. Ah bah non, il y a kiwi. Nickel. Bah, s'il sort le petit déjeuner, de toute façon, kiwi, elle est mal à l'aise. Donc, on va voir ce qu'elle a tout de suite. Voilà. Alors, kiwi, t'arrives quoi, toi? Tu as besoin d'aller aux toilettes. Bon, va aux toilettes en urgence. Voilà. Il est où, lui? Voilà. Par contre, tu ne la manges pas. Tu la poses. Voilà. Impeccable. Et du coup, c'est Romain qui va y aller. Hop, il arrête de dormir et il va manger sa compote de pommes.
Mais c'est ça, ouais, en mode très en colère. On va attendre un peu. Pendant ce temps, Kiwi, toi, tu vas faire ça. Après, tu vas cuisiner. Tu vas te faire des œufs brouillés avec du bacon. Tu ne me fous pas le feu, s'il te plaît. Mur de notification plein. Déjà! Voilà. De toute façon, il faut que tu fasses ça pour le boulot. Donc voilà. Ça, par contre, faut que je le jette voilà. À la poubelle. Hop. Ensuite, les arbres à plasma, ils ont rien fait. D'accord. On va mettre la musique hein, allumée. On va mettre du disco moderne, normal, hein, c'est lui. Et voilà, le petit Romain qui se balade. Coucou. Allez, va te prendre ton petit déj. Impec. Louis, toi, non, tu vas lire ton ouvrage ultime sur les vampires. Alors, lire Encyclopédia volume 3, voilà. L'ouvrage ultime. Faut qu'on récolte des points. Il dit ça sur le pouf à bonbon, tranquille. Que Romain, ouais, j'ai trouvé l'astuce hein, pour pas que tu puisses en foutre partout par terre. Enfin, je pense. Sinon, je vais vraiment te faire avoir. Et Sonia qui se réveille, tranquille. Alors, Sonia, t'es en train de lire aussi. Impec. Elle a bien récupéré, Sonia. Ce qui n'est pas plus mal. Et en plus, ça fait remonter le divertissement de se renseigner sur les coutumes de vampires comme ça. Kiwi, elle mange toute seule dans son coin, mais du coup, bah, elle est triste, la peau. Mais après, ce Kiwi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apprendre à Romain à aller sur le pot. Il a encore cette musique. Alors, Louis a lu que le comte Vladislaw Strode était le seul survivant des colons qui ont découvert Forgotten Hollow. Ok. Enfin, seul survivant, sachant que c'est un mort-vivant, je sais pas. Mais bon. Alors, Kiwi. Non mais. Pff. Des fois, je me demande pourquoi j'ai une. Voilà. Pourquoi j'ai un évier ici alors qu'ils vont dans la salle de bain faire la vaisselle, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Allez, tu vas apprendre à faire popo, mon petit père. Ouais. Et du coup, si il me fallait une baignoire, il faudrait une baignoire que je puisse donner des bains à Romain, ce serait mieux. Donc, on va aller dans la plomberie. Oh, il y en a une nouvelle, la baignoire cuivre étincelant pour. Oh, sympa, les styles, hygiène 6. Bon, je vais regarder d'abord dans la plomberie tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, baignoire. Donc, on a celle-ci qui vient des animaux. Mais moi, j'en veux une bien avec un bon hygiène. Bain remoulant. Épicure, hygiène 6 aussi. Hygiène 10, ça vaut 12 000 balles quand même. Hygiène 7. Ah bah celle-là va plus avec le style de la maison, je trouve. Donc on va mettre celle-là. Ça va bien avec les toilettes. Voilà. Par contre, la couleur, c'est pas la même. Ça, c'est dommage. Alors, je sais pas si ça vient du blanc ou de l'éclairage. Je pense que ça vient de l'éclairage. Donc on va laisser ça comme ça. Tant pis. Allez, apprends à aller sur le pot, toi. Pendant ce temps, Louis, toujours en train d'apprendre. Sonia, elle a fini de réviser. Elle a des points de pouvoir impec. Alors, tu as monté d'un level. Tu as débloqué une nouvelle ligne. Enfant de la lune. La nuit, les moments préférés des morts-vivants. Nocturne, en tant qu'enfant de la lune, Sonia pourra utiliser ses pouvoirs. Enfin, plus de pouvoir, apprendre des compétences plus rapidement. Ça, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. Hypnotiser. Tap. Et non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder. On va garder le charme vampirique. On va continuer à l'améliorer. Voilà. Et du coup, point faible. Alors, déjà, on avait buveuse coupable. Mais à peau fine, non, on va mettre sommeil agité, ne peut dormir que dans un cercueil. Bon, je vais mettre le sifflement incontrôlable, comme pour Louis. Voilà. Hop, du coup, Sonia, bon bah il fait jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler, on va appeler Léa, du coup, à venir. Enfin, en espérant qu'elle veuille bien venir, parce que...
C'est pas certain ça. Alors, dans les amis, donc on a Léa. On va lui dicter à venir. Oh, il y a Romain qui est en train de faire popo. Du coup, elle est embarrassée. Oh non, attends, c'est un bambin. C'est pas dramatique de devoir faire sa crotte. Non mais Sonia, tu vas brûler là. Tu nous fais pas n'importe quoi. Réfléchis un peu. Va ici. Alors, Léa va arriver. Impec, elle est venue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler. N'importe quoi. Mais ils vont faire que de se croiser là du coup. Voilà, arrête donc de brûler. Impec. Oh, encore Romain en train de faire popo. Alors, on va faire une présentation amusante. Ah, mais c'est pas possible, hein. Ah ouais, en fait, elle va faire que de sortir à cause de Romain, d'accord. Donc il va falloir que je mette le pot dans la salle de bain. Bon, là, ça va, elle est à l'ombre. Alors, non, mais je veux pas l'embrasser. Tu nous fais quoi, là? Complimenter la tenue, discuter de l'embarras. Parce qu'elle est embarrassée. C'est pas à mon avis, ouais, c'est parce que toi aussi, elle est embarrassée. Raconter une histoire drôle. Sonia va faire crac-crac, marqué là. Faire crac-crac avec quelqu'un. Améliorer sa compétence charisme, ça on va le garder. Commencer une réunion de groupe. Louis, il danse, tranquille. Et Kiwi, eh ben, elle est en train de lui apprendre le social. Enfin, le popo, c'est très bien. Boire du plasma, on va lui demander l'autorisation de boire. On va voir si elle veut bien. Comme elle est gentille. Ouais, ah, elle est vraiment sympa. Hein. Elle donne du plasma à tout le monde, celle-là. C'est une donneuse de sang professionnelle. Alors, Romain, il est énervé, lui, par contre. Ouh, oui, il a besoin de faire une sieste. Bon, il va aller faire une sieste, hein, tant pis. Hop, allez. Tu vas faire une sieste. Voilà. Et toi, Kiwi, tu vas... tu bosses bientôt, en plus. Dans 2 heures. Ouais, t'as pas fait assez à manger, là. Alors, tu vas déjeuner, tu vas cuisiner. Tu vas déjeuner. Tu vas faire un faux sandwich. Comment gaspiller de l'argent pour faire un sandwich. Voilà. Sonia, elle a un texto. Alors, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Stéphanie, elle est vraiment sympa. Oui, c'était la Sims qu'on avait parlé l'autre fois, on avait fait plein d'actions amicales pour pouvoir boire son plasma, et en fait, c'était déjà un vampire. J'avais pas contrôlé avant. Trahi. Donc, non. Hop, directement à la vaisselle. J'avais vu un bol tout à l'heure à traîner aussi, là, voilà. Voilà. Du coup, niveau 75%. Bon, allez, il faut encore en faire une. Alors, cuisiner. Il n'y a pas un truc rapide à faire qui se fait en 30 minutes. Salade du jardin, voilà. On dirait que les poissons sont trop malins pour lui. Ah bah oui, mais après c'est peut-être l'appât qui est pas bon, tout simplement. On va essayer sans. Hein. Allez pêcher, voilà. On va essayer de pêcher sans appât. Il y a du monde en plus qui vient dans ce coin-là. Il y a un truc là. Oh, il y a un arbre à plasma fruits, trop bien. Bon, on va pouvoir récolter les fruits après. Et il est bien caché. Hein. Bon alors Louis, est-ce que tu y arrives? Bon Kiwi, est-ce que tu t'en sors? Oui. T'as terminé ton truc, c'est nickel. Hop là. Et on a cassé l'évier apparemment. Léa, elle s'en va. Mais non Léa, faut pas partir maintenant. On était si bien ici. Allez, drôle. Racontez une histoire drôle. Puis on va jouer un jeu multijoueur, tiens. Hop là, jouer après Nelly de fête avec Léa. Voilà, comme ça. Ça va faire monter l'amitié. Pendant ce temps, Louis, il pêche, relax. Hein.
Hop là. C'est quoi qui nous a pêché là? Alors, un poisson de type Myobatis californica. Ok. Pesant 43 kilos. 45 kilos, 53. La vache. Le poisson, il le met dans sa poche. Il a 45 kilos dans sa poche quand même. Hein. Faut y aller. Hein. Ah, c'est terrible. Et on peut créer un pack de plasma avec ça? D'accord. Bon, pourquoi pas. A qui la compétence jeu vidéo? Sonia, elle est en train d'apprendre à jouer aux jeux vidéo. Ok. toi, je surveille ta fin. Ah. Hop, lui, il a acquis une pièce d'amélioration. Très bien, ça, on jette, je m'en fous des pièces d'amélioration. Vas-y, fais la vaisselle. Romain, du coup, t'es en train de manger, c'est très bien. Et Romain, tu vas discuter, parler à l'inconnu. Ah oui. Ça va, il y a ton papa à côté. Parce que du coup, il fait le timide et puis après, il va... Voilà. Ça, j'adore. Oula, il y a eu du loin, là, carrément. Regardez le bon. Il est parti faire quoi, là? Il va vider la poubelle. Ok, très bien, Louis. Sonia, alors, c'est quoi ça? Oh, Vlad, t'es chiant. Là, ça discute, y a pas de problème. Donc du coup, on va refaire parler à l'inconnu. On a plus de choix. Méchant. Coucou l'inconnu. Encore? Oui, c'est ça. Voilà, encore parler à l'inconnu. C'est bien, ça monte, hein. Parler à l'inconnu à nouveau. Ah, il est en colère, ça y est. Bon, Louis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas raconter une histoire à Romain. Dès qu'il aura fini de manger. Parce que pour l'instant, il s'éclate. Sonia, elle est harcelée par Vlad. Ah non, ça y est. J'ai entendu parler, oui, c'est bien, on s'en fout. Vous êtes chiants, vos textos, là, sérieux. Hop. Donc du coup, non, on avait dit... Lire une histoire à Romain pour l'endormir, si les actions s'annulent. Et Sonia, du coup, il fait nuit, donc toi, tu peux aller dans le quartier. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas hypnotiser le sandwich. Donc, tu vas la complimenter, ça sert à... Ça va pas grimper tant que ça, l'amitié. Hein. On va illuminer sa journée, voilà. Atteint le niveau 3 de la compétence charisme. Impec. Et là, il y a du monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser en tant que vampire. On va s'amuser à contrôler des Sims, ordonner de s'entraîner. Bon Louis, tu vas t'occuper de ton fils un peu là. Ah, c'est les sifflements qui font le moins moins moins. C'est n'importe quoi là. Ou alors c'est le fameux bug. Bon. C'est quoi Romain? Va dormir. Il est en train de boire son. Il est en train de boire un truc. Je sais pas où il l'a obtenu son verre de machin, mais il l'a eu. Allez au lit. Sonia, je t'avais pas demandé de faire quelque chose. Bon, c'est pas grave, là, il y a un monsieur. Contrôler des Sims, ordonner de s'entraîner. Allez, t'arrêtes de regarder la télé, tu y vas. Et Louis, pareil, il va aller dans le quartier aussi. Alors, Louis, il va courir vampiriquement ici. Et là, il y a Katrina. Alors, ce qu'on va faire, Katrina, c'est qu'on va éliminer sa journée. Et on va lui demander l'autorisation de boire. Le mec il s'est barré je sais pas où. Alors est-ce qu'il va vraiment s'entraîner ou pas?
Je sais pas. Alors, pour Louis, ça se passe comment là? Bon, apparemment, ça discute. Ok. Alors, boire du plasma, obligé à donner une grande quantité. Tant pis pour toi. Pendant que Sonia est partie jouer aux échecs. Mince, il y a le bébé qui pleure. Vite. Nourrir. Hop. Changer la couche. Apaiser. Babiller. Bercer. Etc. Etc. Voilà. Tac. Du coup, là, on va s'amuser un petit peu. Alors, on va provoquer des hallucinations. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc à récolter. Hop, Louis, il a gagné des points de pouvoir. Impec. Mais il lui en faut encore deux. Voilà. On va faire halluciner tout le quartier, ça va nous changer. Là, il y a du monde là. Ah. C'est beau ça. Alors, tac, vampire. Ah, il est déjà sous l'influence. Bah oui, c'est l'autre de tout à l'heure. À mon avis, c'est pour ça. Hop, vampire, hypnotisé. Voilà. C'est très bien. Ils sont bizarres les gens ici. Récolter les pièges à moustiques. Peut-être aller voir le potager quand même, hein, ce que ça donne. Hop. Voilà. Faudrait arroser les plantes. Heureusement, il court vite, ça aide. Tac. Tac. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un babysitter. Alors, proposer un rencard, non. Si je voulais voir avant l'aspiration de Sonia. Organiser 3 fêtes, gagner l'argent à 3 événements sociaux. Ok. Bon, on va appeler un babysitter. Tac, faire du bénévolat, prendre des vacances, acheter un service. Alors, un babysitter, une nounou, voilà. Il y en a compris, Sonia. On va profiter qu'il fasse nuit un peu. Hop! On va attendre qu'il arrive. Oh, ils sont mignons, ils se font des bisous. Rien. Déclarer son amour éternel. Oh, c'est trop mignon. Je suis éternellement amoureux de toi. Donc là, je crois qu'ils sont en train de se dire, du coup, on partagera le même cercueil. Oui, mais avec un PC. Et une manette de jeu vidéo, hein, faut pas non plus pousser, faut qu'on puisse s'occuper la journée dans le cercueil. On va être un peu les trois déjà. Alors, on a la babysitter. Oh tiens, ça change. D'habitude, c'est un garçon et là, c'est quelqu'un de nouveau. C'est... Alors, c'est qui? C'est Umema. Mon souris, d'accord. Voilà. Du coup, la babysitter, c'est très bien. Tu t'occupes de mes enfants. Hein. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que... On va... Je vais draguer la babysitter. On va aller faire un rencard. Donc, Sonia, il faut qu'elle organise 3 événements sociaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un événement social. Non, non, pas Vlad. Lui. Normalement, toi, t'es la babysitter, on t'invite pas.
C'est quoi le look là de Vladislaos? Il a des écouteurs aussi. Il s'est mis à la mode. Et on va inviter un pro du barbecue. Ha! Oui, mais Kiwi, elle est au travail. Bon, bah, on n'a pas le choix. Hein. Ah, bah, si, là, il y a d'autres trucs. Mais pourquoi dans les autres, il n'y avait pas? Ça me paraît bizarre qu'on puisse pas faire de fête. Je pourrais me regarder. De nouveau. Ouais, non, t'es vraiment pas bon. Et du coup, on va faire ça au parc. Alors, lequel parc? Générique, maison d'été. Bon, bah, on va aller à Magnolia Blossom. Ah, place des lières, ça c'est à Windenburg, ça. Non, on va aller à Magnolia Blossom. Voilà. Hop là, donc nous sommes arrivés au parc de Magnolia Blossom. Par contre, je ferai la soirée dansante dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'ai fait soft aujourd'hui, on a juste fait travailler la relation de Léa avec Sonia et puis on s'est occupé un petit peu de Romain. Donc, prochain épisode, eh bien, on commencera par le concours de dégustation des hot dogs. Et ensuite, eh bien, on continuera le let's play tranquillement. Moi là-dessus, eh bien, je vous retrouve avec Louis dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, ce sera le tour de mon petit Franklin qui avance bien, on va dire. Normalement, il doit avoir commencé à avoir pas mal d'argent là, si mes souvenirs sont bons. Donc, moi je vous invite à lâcher un petit comme un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir à voir et à lire. Je vous retrouve mardi pour ceux qui suivent le let's play des Muller. Et puis en attendant, je vous souhaite un agréable week-end. Allez, à ciao, bisous les copinottes.